Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'amitié naît lorsqu'un mérite se manifeste avec suffisamment d'éclat et encourage une autre âme à se rapprocher pour s'associer à lui. Dès lors, l'affection en découle inévitablement. Qui serait assez fou, en effet, pour se laisser séduire par des choses aussi futiles que les honneurs, la gloire, les immeubles, les vêtements, les parures, sans tomber sous le charme d'un esprit noble capable d'aimer et de rendre amour pour amour. Rien n'est plus doux que d'être payé en retour de sa bienveillance, d'échanger aide et dévouement. Et puis, si nous ajoutons, et c'est bien légitime, que rien ne séduit et ne captive comme cette ressemblance d'où naît l'amitié, on comprendra que les hommes de bien aiment les hommes de bien et qu'ils s'associent entre eux comme des frères unis par la nature.